l'explication de l'exploitation des rendus. Alors, comment exploiter un rendu quand on finit de faire, quand on finit sur un projet, parce que un projet. Ok. D'abord, il faut savoir que on peut soit l'exploiter par After Effects ou soit l'exploiter par Media Encoder. C'est-à-dire utiliser la combinaison Media Encoder After Effects. Pour aller d'ici à After Effects et pour exploiter After Effects, il suffit de venir sur composition pour rendu. Tu choisis le document où on veut. On essaie de rendre un peu en enregistrant là. Mais il faut savoir qu'avec After Effects, avec After Effects, la vidéo s'arrête seulement avec le format AVI, voilà, pas d'autres formats. Pour la qualité aussi de l'image et de la vidéo, on peut modifier ici, voilà, un demi, intégral, ça donne des qualités HD. Voilà. Mais un cas, c'est un peu flou. Et plus c'est flou, la taille de la vidéo n'est pas trop lourde. Pour exploiter sur Media Encoder, pour exploiter sur Media Encoder, il suffit de cliquer sur fichier, exporter, ajouter à la file, la table Adobe Media Encoder. Donc, quand on clique sur la file, quand on clique sur ajouter la file Media Encoder, le média se dirige vers ici. Ici, nous sommes sur Media Encoder. Pour modifier le format, pour modifier le rendu, il suffit de cliquer ici une fois pour avoir notre fichier à modifier. Ça change. À défendre, voilà, voici notre format. Notre format, voilà, le premier format, la configuration, tout. Voilà. Ici, c'est le format HD 150. Ici, c'est pour les différents formats. Ici, c'est la taille du fichier estimé, voilà, au moins 16 mégas. Ici, pour modifier le touch de la vidéo, l'audio, si on veut acheter un sous-titre, si on veut acheter un CFR, etc. Sur OK. Et sur Play ici, sur Play ici pour démarrer la conversion. Merci beaucoup. Et